Iris Mittenaer n'est plus un cœur à prendre. Et pour ceux qui en doutaient encore. Le nouvel opus de Fort Boyard diffusé ce samedi 21 août sur France 2, a bien prouvé qu'avec Digo El-Glaoui, l'ex-Miss n'enfilait pas que des perles. Chaque samedi soir depuis le début des vacances estivales, les téléspectateurs se délectent devant les nouveaux épisodes de l'émission proposée par Olivier Mineux. Cascades, rires, larmes, dépassement de soi, les stars présentes sur le fort passent par toutes les émotions pour récupérer des fonds pour les associations qu'ils défendent. Parmi les célébrités présentes dans l'épisode de ce samedi, l'ex-Miss Univers Iris Mittenaer et son chéri Digo El-Glaoui ont fait battre leur cœur à l'unisson dans chacune des épreuves disputées. Seulement voilà. Les deux amoureux ont passablement agacé les téléspectateurs par leurs amours incessants. De l'amour oui, mais avec un peu plus de retenue ont déploré certains internautes. Iris et Digo sont en couple depuis 2 ans. 2 ans de totale passion, où ils n'ont de cesse de charmer leurs abonnés sur Instagram en publiant des clichés trop mignons. Car les deux influenceurs ont décidé de ne rien cacher et d'afficher sur les réseaux l'éclat de ce bonheur quotidien. Mais sur le plateau de Fort Boyard, ce côté tout muche dans le love passe un peu moins semble-t-il. Genre c'est bon Iris, on a compris que Digo c'est ton chéri, s'est agacé une internaute sur Twitter. Iris et Digo c'est, mon cœur mon amour mon cœur, a également commenté un autre en illustrant son propos de la chanson d'Anaïs Croze. Une overdose de mon cœur qui a vraiment donné la nausée à la toile. Je sais pas ce qui m'a le plus énervé ce soir dans Fort Boyard entre Ariane et les allées mon cœur d'Iris. C'est quoi vous ? A interrogé, curieux, un téléspectateur. Venez on fait un jeu, un shot à chaque mon cœur mon amour qui sort de la bouche d'Iris. A proposé une autre. La toile s'est lâchée, le fort est décidément impitoyable.